Leur dire que quand je vais arriver, s'ils ne sont pas en train de travailler, je vais tous les renvoyer. Je vais chasser tout le monde. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est les gars. Ils ont décidé de gréver. Pourquoi? Ça fait 3 mois, je ne les ai pas payés. Tu ne trouves pas qu'ils ont raison? Raison? Mais pourquoi? Ils ne savent pas que dans les grosses entreprises, il y a aussi des difficultés comme ça. Mais au lieu de te fâcher, tu dois plutôt calmer les choses. Tu es leur chef. Non. S'ils grèvent, je vais tous les chasser. Tous. Mon amour, ne fais pas ça. Tu les payes souvent quand tu peux. Ces gars t'obéissent sans brocher. Tu vas trouver les employés où ils vont t'accepter ça. Réfléchis bien avant de prendre une mauvaise décision. Ah, laisse-moi. Tu es devenu chef d'entreprise. Hein? Alors, reste là. Est-ce qu'on fait pour venir tous les matins? Mon ami, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il n'y a pas mon salaire, je n'en ai pas là-bas dedans. On veut nos salaires. Mais. Non, qu'est-ce qu'il y a? On veut nos salaires, boss. Tout cette chose. On veut nos salaires. Oui, boss. Vous nous avez trop négligé ces temps-ci. On n'a plus d'argent de transport pour venir travailler. Même toi, tu grèves. Bon, si je n'ai pas d'argent là maintenant, là, tu fais comment? 3 mois. On m'attend jusqu'à quand? On est déjà fatigué. On ne peut plus attendre. Mon salaire, mon ami. Écoutez-moi bien. Hein? Je vais vous donner 30 minutes de réflexion. 30 minutes de réflexion. Vous allez trouver un boss comme moi où? Je suis un jeune patron. Hein? Je vous donne 30 minutes. Ça n'arrange pas que quand il part. En tout cas, moi je pars, je ne réfléchis pas. Si vous voulez rester là. Oui, pas. Quelqu'un d'autre veut partir? Je vous attends dedans. Venez travailler. Thank you.
Karine. Oui, boss. Ils sont encore dehors. Oui, boss. J'ai entendu Oscar dire qu'il partait chercher un bout de pain. Il est sorti. Vraiment. Quand ils vont passer cette journée sans travailler et que ça va bien les toucher, ils vont revenir en me suppliant. Dis-moi, pourquoi toi-même tu ne grèves pas? Qui? Moi? En passant, boss, je voulais vous parler. Il faut vraiment que vous payiez les gens. Oh, toi aussi tu vas t'y mettre. Hein? Je n'ai pas d'argent ces temps. Boss, vous ignorez que c'est moi qui enregistre toutes les commandes dans cette entreprise. Et puis quoi? Il y a beaucoup de choses à faire pour que l'entreprise reste debout. Comme payer les employés, par exemple. Bon, ce que vous faites là n'est pas bien. Le karma existe. Bon, tu m'agaces. Rentre à ton poste. Ok, boss. Tu viens maintenant me donner les leçons de karma. Senti très fort. Pardon, bébé. Oui, mon étalon. Fais-moi ce que tu sais faire. Amène-moi très loin dans le ciel. Je sens comment mon corps vibre déjà fort. Chérie, tu as fait comment avec tes employés aujourd'hui? Ils ont continué de gréver. Je leur ai dit que s'ils continuent, je vais tous les renvoyer. Oh chérie, je t'ai demandé d'aller doucement avec eux, n'est-ce pas? Mais c'est ce que j'ai fait. Non. Dire à tes employés de bien réfléchir sinon tu vas les renvoyer, c'est une menace. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Si, avoir de bons employés de nos jours, ce n'est pas facile. Pourquoi tu es têtu comme ça? Ah, mon bébé, les employés sont dehors comme des petits bouts de pain, toi aussi. Quand je vais recruter, ils vont revenir me supplier pour travailler, franchement. Pourquoi tu fais ça?
bonne nuit. Les employés vont venir gâter mon couple maintenant. Ça va? Ça va, boss. Personne n'est venu aujourd'hui? Non. Apparemment, ils ont décidé de continuer la grève. Apparemment. Ok. Lance un recrutement pour de nouveaux employés. D'accord, boss. Tu vas dire salaire de base, 60 000. Ok, boss. Tu as Lille. La première personne. D'accord, boss. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez votre dossier? Oui, monsieur. Prenez place. Dites-moi, combien pensez-vous que je devrais vous payer par mois? Boss, comme vous avez pu le constater, j'ai fait des très longues études et j'aimerais avoir un salaire de 120 000 francs le mois, au minimum. Moi, j'aime être bien traité. Non seulement je dois aussi avoir un bon salaire, mais aussi, je dois avoir un plus. Et c'est quoi? Mon transport et ma nutrition. Je dois être traitée comme une princesse. Je n'aime pas me salir les mains. Moi, je n'aime pas le retard de salaire. Parce que quand moi, je travaille, je dois être payé à temps. Sinon, ça va barder. Ok. Ça va aller. We'll be right back.
Bon, tu vas continuer à me bouder comme ça. S'il te plaît, mon amour, parle-moi. Tu veux que je te dise quoi? Quand je te parle, est-ce que tu m'écoutes souvent? Ok, ça va, c'est bon. Je m'excuse de ne t'avoir pas écouté pour les employés. Ah oui? Bobby Koundé qui s'excuse? Ça, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Dis-moi. Je t'écoute, monsieur. Les employés ne sont pas revenus travailler. Ah! J'ai lancé un recrutement. Quelques personnes sont venues. Et tu as eu satisfaction? Les gens m'étonnent ici dehors. Quelqu'un me demande de lui payer 120 000 francs le mois. 120 000 francs? Je suis qui? Tu n'as encore rien vu. Tu vas confirmer. Maintenant, moi, je ne sais plus comment faire revenir les gars à la société. Mais donne-leur ce qu'ils te demandent. Quoi? Leur salaire? Oui. Mais je n'ai pas tout ça. Au moins les avances. Ça va les faire revenir. Et quand ils seront là, essaye de faire quelque chose pour les rendre heureux. Organise un petit truc pour leur donner un peu de joie. Quoi encore? Donc, en plus de leur salaire, je dois leur donner encore quelque chose? Toi aussi. Apprends à prendre tes bénédictions. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Organise un petit festin pour eux. Ah? Qui va dépenser tout l'argent là? Ah non, toi aussi tu déranges, franchement. Oh. Mon chéri, fais ce que je te dis. Tu verras que tes employés vont encore beaucoup plus t'aimer. Ok, j'ai compris. Mais fais-les entrer. D'accord, boss. Ah. Oh, mes amis. Mes amis. Hein? Un jour, vous n'êtes pas là. Et c'est comme si l'entreprise n'existe pas. Pourquoi est-ce que vous voulez fuir ce que vous aimez faire? Oh, vous aussi. Prends les enveloppes et les boissons. D'accord, boss. Vos avances de salaire, 2 mois. Oscar. Oui, grand boss. Oh, merci, grand boss, merci.
Jules. Merci, grand boss. Merci beaucoup, boss. Brenda. Boss. Merci, boss. Brice. Merci, boss. Merci, boss. Et enfin, Karine. Merci, boss. À partir d'aujourd'hui, je vous promets de ne plus vous négliger. Hmm? Vous serez bien traité. Voilà. Vous n'aurez plus de retard de salaire. Santé. Santé, boss. Santé. Bébé. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Oui, ils sont tous revenus et ils étaient très contents. Oh, mon chéri, tu es mon chef. Tout ça, c'est grâce à toi, avec tous tes conseils. Tu mérites un gros cadeau. Ah bon? Lequel? Et tu verras la lumière du paradis. Ok. J'arrive. D'accord, boss.